Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, younger, no younger. No, tell me, no, 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 oh, 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 baby, come give me a lo, 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 finally I find way to talk to the girl, but she don't follow. Who you gonna come from? Mm-hmm. Where you know I come from? Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum one. Mm-hmm. But she didn't give me small small one. I know, since she sent me pussy down one. Mm-hmm. But she feeling insecure. Cause her friends, but they come like Jim Gowan. Mm-hmm. But they come like Jim Gowan. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you feel like phantom, phantom. If I tell you, say I love you. Ask me, I wake up, now she take my mind on one. Day one, day two, I know we won't go once. Now show me, I call them, say me quilling go up. As I start to get your love, feel my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go down again. Because you get many girls, man, pull my heart for bitch. Yeah, me, you feel my pain. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown. Oh lockdown, oh lockdown. Yo, you feel like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me and now. No younger, no tell me, no, 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 no. Oh, 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 baby, come give me a lo, 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 lo. You got me like, oh, 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 oh. Shady, come give me a lo, 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 lo. Shadow to my light, did you feel us? Another start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? We were
disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day, et bonjour. La vache. Bonsoir, rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Tetralotte qui est parmi nous dans le chat. Comment ils vont les gens là ce soir? Comment vont-ils les gens ce soir? Bienvenue dans cet épisode 19 de Pikmin. Voilà, après deux épisodes en un qui étaient quand même assez longs. Voilà, parce que bon, 2h30 l'épisode. Ta mère. Voilà, mais tout va bien, voilà. Et bonsoir à bonsoir à Karma Sensei, merci d'être passé et bon retour à toi parmi nous. Voilà, merci à toi d'être venu et à très bientôt avec un nouveau compte, mon cher Shmortan. Voilà. Donc messieurs dames, pour ce nouvel épisode, tout va très bien les gens. Écoutez, voilà, là, ce matin on a juste pété les plombs hein, parce qu'on a juste perdu beaucoup de Pikmin, on va pas se le cacher. Mais tout va bien sinon les gens. Tout va très très bien. Voilà. Alors. Donc dans le dernier épisode, les gens, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fini ce putain de gîte de merde qu'était le Snowbreak. Et c'était de la merde. Vraiment, c'était le pire truc que j'ai pu faire, voilà. Donc dans cet épisode, j'avais prévu justement qu'on fasse les autres grottes, voilà, les autres grottes qui étaient dans la vallée du repos. Mais nous allons retourner dans la forêt de l'éveil pour aller rechercher des Pikmin violets, des Pikmin blancs, parce qu'on en a plus, les gens. Et il va falloir aussi qu'on refarme les jeux, qu'on refarme les bleus, d'ailleurs. Va falloir aussi qu'on refarme les bleus, les gens, donc tout va très très bien. Alors, donc, dans cet épisode du coup, on a dit qu'on allait prendre les bleus, donc écoutez, hop. Ouais, parce qu'on en a plus de 90. Alors, on va voir aussi au niveau des jaunes, parce que je crois que les jaunes, on a perdu les Pikmin, et je crois que les roues, c'est pareil, hein. J'ai rien dit, les rouges on est très très bien. Donc on va juste prendre 50 bleus, 50 jaunes et puis voilà. Déjà on va prendre 5. Déjà on va faire un truc. Hop, on va prendre 50 bleus. Voilà. Comme ça Louis, il va pouvoir aller là-bas. Alors attends. Bon bah Louis, tu prends les Pikmin bleus et puis. Ah non mais attends, là, voilà. Bon, Louis, tu prends les Pikmin bleus et puis avec Olimar on prendra les jaunes, du coup.
Voilà. Oh wait, attends, il était là. Ok, ok, j'ai rien dit. Parce que j'allais dire, ok les gens, on va partir en longue exploration épopée, trop bien, là, on va tout simplement prendre deux... On va tout simplement faire deux groupes, et puis là, finalement, le dernier trésor qu'on avait récupéré est là. Et normalement, je crois que c'est le dernier, à moins qu'il en reste, mais je sais pas. En tout cas, il a du mal, hein. Les gars, il est là, le vaisseau, hein. Ils font des détours, les gens, je sais jamais pourquoi, hein. C'est à cause d'eux, de toute façon, qu'on n'a pas pu le ramener à la base le dernier épisode. Ils ont tellement fait un gros détour, tu sais pas pourquoi. Un aérofrein. Pourquoi pas. Et il nous en reste encore, putain. Non, il nous en reste plus. On a clear la zone, let's go. Enfin, putain. Ah, c'était chiant. C'était chiant, mais on l'a enfin terminé, les gens. On a enfin clear une zone, plus que deux. Yes. J'ai envie de crever. Mais tout va bien, les gens, tout va très très bien, voilà. De toute façon, on a son Pikmin bleu, on a son Pikmin jaune. Allez hop, cassez-lui en la gueule. Nickel. Alors, je veux 3 bleus là. Et on a 3 jaunes là. Merde. Et t'as pas fait les plus durs. C'est ça. Attends, vous allez faire mieux que ça. Voilà, bon, il y aura un jaune avec un palais bleu, mais tout va bien. Au pire, c'est pas grave. Alors, la suite. Si, j'aimerais bien aussi qu'on reforme un petit peu les bouboules, là. Ils sont où, les bouboules? Oh non, ils sont en train de détruire le pont, les chacals. Oh, putain, ils font chier. Putain, ils sont en train de détruire le pont. Je suis dégoûté, ouin, ouin. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je voulais qu'on refasse ça, là, justement, parce que là, il y a un nid qui s'est formé ici, donc on va le démolir. Hop, dégagez ça, là. Il paye pas le loyer, il a pas payé le loyer, les gens. Il a pas payé le loyer, allez, hop, dégagez-le. Parfait. Là. Alors, s'il te plaît. Mais. S'il vous plaît, les gars. Bon, attends. On va attendre qu'il refasse un tour. Voilà, go. Parfait. Voilà, et là vous allez me mettre les jaunes. Attends, les jaunes, là, voilà. Tu me mets le jaune. Ah oui, c'est vrai, j'ai deux fleurs 10 là. J'ai deux fleurs palais 10 là. Je crois qu'on va mettre un palais 10 quand même pour les rouges, histoire qu'ils soient qu'ils soient bien. Ouah, la vache. Non mais du coup, histoire qu'ils soient bien, ouais, on va... Je pense qu'on fera ça, ouais. Bon là du coup, bah ça c'est fait du coup, bah il n'y a plus qu'à attendre. Donc là on va attendre, là voilà. Je savais qu'il y en avait qui était resté. Hop, alors toi, on va te... Alors toi, bonjour, on va te péter la gueule. C'est parfait, les gars. Salut, le Cassos Pectori 64, comment il va, le gars? Comment il va, le Cassos Pectori 64? Du membre de la tribu Cassos. Alors, je crois qu'il y en a une des deux qui est méchant, là. Ah non, ils sont pas méchants, ok. Pas aujourd'hui, ils sont de mauvais poils. Ils sont de mauvais poils. Là-bas. C'est vrai, il y a une bestiole là-bas à casser la gueule. Hop, on y va. Ah bah là-bas, tiens, quand on parlait du loup. On y voit la queue. Allez, pète-lui la gueule. C'est bien. Mettez les jaunes dessus. Alors, non, j'ai dit les jaunes. Encore une fois, vous avez pas écouté. Non, c'est quand on a 3 qu'il y a une méchante. Ah, ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que c'est bientôt. Bon, alors ici, on a quoi, là? Ici, on a de la merde un petit peu, là. Ça pue la merde un petit peu, ici, là. Ouais, ça pue un peu la merde. Hop. C'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on se refasse du spray à mer, aussi. Ouais, ça va, le Casso 64 doit aller au Leclerc pour acheter son putain de câble HDMI. Ouais, voilà. Ou DVI. Ouais. C'est vrai, ouais, mais comme ça, il pourra faire du streaming, là. Alors, pète-lui la gueule, non? Vous voulez pas lui péter la gueule, à ce con? Non, d'accord, ok. Bah écoutez, hop, à l'assaut. À l'assaut! Dégagez-le, il est en train de bouffer les bestes, enculé! Pète-lui la gueule! Putain, il s'est enfermé. Bon, ramène ça.
putain, il a tout bouffé. Il a tout bouffé, le petit con. Hop là. Donc ça, c'est bon. Tiens, on va aller là-bas. Tiens, on va aller chercher du spray amer. Tiens, tant qu'on y est, là. Je le rentends, hein. Je le rentends, il est revenu, hein. Il est revenu, ce petit bâtard. Ah, voilà, le petit spray amer. Ça, ça va faire plaisir. Allez, ramenez-moi ça. Ça, ça va être bien, là, pour paralyser les ennemis, même si je m'en sers jamais, mais... Enfin, si, je m'en suis quand même servi à la dernière fois. Je m'en suis quand même servi, c'était sympa. Streaming, mais aussi, ça sera moins embêtant de changer de fenêtre. Ouais, c'est ça aussi. Non, en vrai, mec, t'as raison. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus rien qui me shot chez Pikmin, hein, clairement. Je le dis. Ok. On ira à la fin dans les grottes, les gens, pour aller rechercher les Pikmin. Ou alors, non, non, non. Et votre sœur. Et hop. Allez-y, là. De toute façon, ça sert à rien de les buter parce qu'à chaque fois, ils reviennent. Ok, parfait. Parle à vous. Alors, donc j'ai ramené du spray amer, j'ai ramené quoi d'autre là? J'ai ramené du piquant. J'aimerais bien ramener du amer là. Ah oui, c'est vrai, attends, il y avait des palais 10. Il y avait des palais de 10 à ramener là. Attends, ils sont où? Là, ici. Donc là, on va mettre les jaunes au pire. Hop là, nickel. Et on va mettre les bleus là. Hop là, nickel. Comme ça, ça va être ramené. Vous allez revenir. Là-bas, est-ce que c'est bon? Ils sont revenus, eux. Par contre, t'es mal à la taille de l'écran de mon ancien ordi familial, elle est... Alors là, 99% des gens, on pense à autre chose. T'inquiète, mec. Attends, mais ils bougent encore? On les a pas tués? Bon, au pire, c'est pas grave, hein, de toute façon, les gens... De toute façon, ça revient à chaque fois, ces bestioles, donc bon. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous faites? Putain, il est bizarre notre vaisseau là, il agit bizarrement. Hein. Je dirais rien, mais. Il est chelou votre vaisseau. Il est solo, il est chelou votre vaisseau, mon cher ami Olimar. Enfin, même si c'est pas à vous, mais tranquille. Oh putain, yes, hein. Allez, deux sprays piquants, ça fait plaisir. Je sais pas s'il y en aura d'autres dans les autres zones là. Je crois qu'il y en a une dans la prochaine zone où on ira justement. Bah, dans le pire des cas, on va regarder. Hop là, nickel. Allez, on y va tous, voilà. Plus vous serez, plus c'est efficace. On va pas tarder d'ailleurs à les ramener, déco, parce que va falloir qu'on ramène des blancs et des violets maintenant. Voilà. Ah quoi, c'est revenu encore? Ah bah écoutez, les gens, allez-y, servez-vous. Servez-vous, les gens. Non, non, mais vraiment, vas-y. Non, non, frérot, vas-y, va-moi, allez, hop. C'est moi qui paye. Eh, les gens, regardez ça, comment c'est efficace. Putain, regardez-moi cette efficacité, les gens. Un truc de ouf. Bon. De toute façon, on va pas se le cacher, une impression déjà vue, hein. Bon, sur ce, vous rangez. Voilà. On va attendre que vos potes terminent ce qu'ils ont à faire. Tiens, bah d'ailleurs, en attendant, hop, on va vous ranger vous aussi. Non, vous êtes pas rouge, vous êtes jaune. Le dé daltonien. Oh là là. Hop là, nickel. Ah, mais ils sont rentrés tout seuls. Ils sont rentrés tout seuls. Très bien. Alors attendez les gens, parce que j'ai reçu un message de Hanmin Channel.
Ah ouais, sympa, Pactory, ton écran. Sympa, sympa. Franchement, il a l'air sympa aussi, le streamer que tu regardes, mec. Enfin, bref. Du coup, il nous faut les rouges. Voilà, on va en prendre... pas trop, quand même. Là, voilà, 40... Allez, 50. 25 blancs, 25 violets, moi, ça me va. Hein. Voilà. En plus, c'est que des feuillus, les gens, incroyable. C'est que des piping feuilles. Eh ben, écoutez, les gens, hop, on est parti. En avant! Comme ça, si on a le temps, après, on pourra aller chercher des petites feuilles. Ouah. Alors, on a semé les Pikmin, on va pas se cacher. On les a semés. Mais tout va bien. Tout va très très bien, les gens. Je pense que j'ai pas le choix de m'habituer. T'inquiète, mec. Tu t'y habitueras, ouais. C'est question d'habitude. Bon, de toute façon, alors, cette zone, il va falloir qu'on passe. Alors, les Pikmin, est-ce que je peux vous demander de ne pas faire le con? Voilà. Bon, on les a tous jetés dans la bataille, mais c'est pas grave. Bonsoir, mon cher Black Fae. Comment il va, le Black Fae, là? Comment il va, le Black Fae, là? Le futur feu follet, là? Au KLM? Tu veux qu'on voque? Est-ce que tu pourras, après 22h, 22h30, mec? Vite fait. Je suis dans le salon Vox Sub. Deux. Ah, ok. Maintenant, pour 30 secondes. Pour 30 secondes. J'ai une annonce importante. Alors, une annonce concernant quoi, mon cher ami? C'est concernant quoi, mon cher ami, vite fait? Par rapport à la cité. Quelle cité? Quelle cité? Quelle est cette cité, mon cher ami? Attends, il y a un truc qui m'intrigue. Attendez les gens, on va faire un petit truc. Hop. Voilà. Mes chers amis, je reviens tout de suite, les gens. On va juste voir qu'est-ce que Black Fae dit. Voilà, le rec, vous ne le saurez pas, mais le stream, vous saurez de quoi on parle. Alors, mon cher Black Fae, bonsoir. Ouais. J'ai du mal à me connecter sur le serveur. Quel serveur? Le serveur de Sky. Sky Survivor? Ouais. Bah pourquoi? Je sais pas, c'est écrit... collection Frotted. J'arrive pas. Ah, alors ça, c'est normal. C'est quand tu spammes trop... c'est quand tu spammes trop la connexion. Mais... Est-ce que tu t'es connecté en 1.20.1 déjà? Non, c'est vrai, j'en ai pensé à connecter en 1.20. Ah bah voilà, mec, c'est bon, j'ai trouvé ton problème, mec. Mais j'ai trouvé ton problème, mec. C'est 1.20.1, mec. Ah, mais j'arrive pas à deviner que t'as... toi aussi t'as un problème. De quoi? Je sais pas, moi. J'arrive pas à reconnaître. De quoi? Y'a pas un problème. Quand on a une petite synchro. Hein? Un indice. Parle vite, toi. Coucou. What? Y'a qu'une seule personne qui a cette voix. Des gamers. Attends, mais ça peut être qui? Papyrus. Mais non. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mon mur petit rêve. On a switch de voix. On a switch de voix et t'entends une phrase, une phrase, t'as rien de filtre. Putain de merde! À chaque fois, je disais une portion de phrase, lui aussi! Oh, le prank que je viens de me manger, putain! Le prank des joueurs UHC, quoi, putain! Let's go! Ah, vous allez me hanter jusqu'à la fin de ma vie, vous! C'est un truc de ouf! Bah, c'est pour ça que je pouvais pas faire le Sky! Je pouvais pas apporter mon PC! Oh, putain! Ah, mais putain! Ah, gna gna! J'ai des problèmes de financement et tout! Ah, bah tiens, oui! Et ta sœur, tiens.
On va te voir demain dans la vidéo. Et ta soeur. Ah putain. Ah, en vrai, en plus, il est... avant que, juste que je vienne à Grenoble, il m'a lâché une... En mode, oh, demain, je vais faire une vidéo, je lui dis, fais une barre. Mais du coup, Papyrus, tu rejoins le cerf, ouais. Oui ou merde, du coup, je sais plus. Mais j'ai pas mon PC. Mais putain. Mais pourquoi t'as pas ton PC? Tu vois, le PC de Blackface, il est déjà énorme. Le mien fait le double. Je peux pas l'apporter, sinon il faut une voiture. Eh bah, une voiture. Attends, il dit quoi, non, on est dans le chat, là? Bah, pardon. Mon Dieu. Bon bah les gens, bon, voilà. Le casseau, alors les gens. Alors... alors les gens, du coup, le chat, je vous présente Blackface et Papyrus, des gens de la commu UHC. Bah d'ailleurs, Blackface, qu'on s'est connu parce qu'il m'avait invité à Cave Defender même. On s'est même connu à Okami, je crois, un truc comme ça. Ouais, je passais juste voilà. Avant. Et nous, voilà. On s'est connus sur Luxury. Ouais, et Papyrus, vous l'avez connu sur Luxury Roleplay, du coup. Voilà. Et vous l'avez connu sur Luxury Roleplay, c'était... Ah, oh, c'était tard l'époque, là, le Akashi, là. Le footeur de merde. Le fameux footeur de merde. Voilà. Donc, voilà, bah écoutez, les gens, bah... Au plaisir de vous avoir vu. T'as eu du mal Est-ce que t'as eu du mal à dissocier nos deux voix? Non mais le temps que je fasse le lien, parce que je sais que Blackface m'avait dit que toi et lui du coup vous étiez potes IRL, mais le temps que je me rappelle de ça, tu vois, qui date de quand même d'il y a 3 ans, ouais, effectivement j'ai galéré, oui. Oh mec, à peine on arrive, t'as déjà 3 viewers en plus. Let's go. Let's go. C'est bizarre mec, what the fuck. Par contre, écoute-moi bien des gamers. Le S a fini dans le titre de ton live, tu vas me le supprimer tout de suite. Hein ? Le S dans ton stream de live, dans ton titre de stream. Dans mon stream de live. Bravo mec. On n'a pas encore fini, qu'est-ce que c'est que ce S ? De quoi ? Ah, ici ! Ah oui, merde ! Oh, bah écoutez, écoutez. Non mais c'est bien, au moins j'apprends de mes erreurs, c'est bien. 6 personnes dans le live, let's go. Voilà. Non mais voilà, du coup les gens, bah n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, il y a Papyrus qui fait du streaming, il y a Blackface aussi qui fait du streaming aussi de son côté là sur Twitch, voilà, vous pourrez les retrouver sur leur chaîne respective, tout simplement. Et puis, ouais, bah écoutez, merci d'être passé vite fait du coup les gars. Merci pour ce bon stream, mon ami. Eh ben, merci, et puis bonne soirée à vous, du coup. Bonne soirée à toi. Et puis, GG le prank. Ciao, ciao, mec. Merci. Ciao, ciao, les gars. Ciao. Bon, du coup, pour ceux qui regardent l'épisode en rediffusion, oui, effectivement, on s'est fait prank, du coup, par Blackface, qui était en compagnie de Papyrus, du coup. Ouais. Ouais, il y a aussi de la rage pour des fautes, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion, du coup, de cette VOD, tout simplement, quand elle sera sortie, voilà, comme ça, vous aurez un petit peu l'envers du décor, j'ai envie de dire, voilà. Et nous, on va continuer, du coup, à récupérer 2-3 petits Pikmin, du coup, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un petit peu eu de la visite, parce que c'est vrai que Blackface et Papyrus sont des personnes qui sont quand même plutôt sympas, voilà. Ils sont quand même plutôt sympas et tout, donc... Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir, voilà, en sachant que Blackface, bah on s'était. Blackface et Papyrus, bah après c'est des personnes que j'avais perdu de vue. Mais pas pour les mêmes raisons, parce que Blackface, bah vu que lui il est plus tryharder UHC et que moi j'ai arrêté l'UHC il y a pas mal de temps, effectivement. Effectivement, on est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, mais au grand plaisir. Mais ouais, Blackface du coup était prévu au casting. Papyrus aussi, voilà. Au casting de Sky Survivor, je parle bien. Mais du coup, effectivement, ils ont pas, ils peuvent pas rejoindre pour l'instant. Bon, en tout cas, Blackface, lui, il pourra rejoindre. Il peut rejoindre le CERN. Papyrus, pas encore. À voir du coup si un jour ils rejoindront, peut-être. Potentiellement quand vous retrouverez le POV de Blackface sur Twitch, hein, tout simplement, peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il avait prévu ça, mais bon. On verra, les gens, on verra. De toute façon, j'attendrai le MP de Blackface pour savoir s'il compte faire des lives sur Sky Survivor ou pas, voilà. Mais du coup, non, c'est pas une cité, c'est une SMP, mec.
Moi je considère que je suis pas un bon joueur en UHC. Ah bah après oui. On a tous chacun notre level en UHC. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui c'est vrai, faut que j'aille là-bas. Alors ça je sens venir une grosse couille là. Ok c'est bon. Ok et là on va vite se dépêcher. Ok parfait. Non mais ouais en tout cas les gens ça fait plaisir voilà. Puis même les joueurs UHC, les joueurs UHC, bah surtout en fait la commune UHC j'ai fini par m'éloigner parce que bon l'UHC ne m'intéresse vraiment plus, voilà, ne m'intéresse vraiment plus parce que de toute façon j'ai perdu mon level donc ça sert à rien que j'en reviens et puis même de toute façon il y a presque plus de... Il y a presque plus de... Comment dire de mode de jeu UHC qui m'intéresse, voilà. Mais t'étais pas là toi. Eh j'ai l'impression les grottes sont personnalisées hein. Les grottes elles changent à chaque fois. C'est un truc de ouf hein. Ils sont en train de faire une Mario 64 Pikmin 2 hein. Oh putain pour un peu jeter des Pikmin violets putain. Hop là nickel. Mais ça fait plaisir. Voilà. Donc on passe le bonsoir à eux. Alors oh, je le savais, ça. Oh, je le savais, vous pouvez pas vous tenir à carreau sans crever, hein. C'est un truc de ouf. Ce jeu est possédé, putain. Mais t'as vu ça, mec every copy of Pikmin 2, il se personnalisait. Allez, hop, on retourne à la surface, du coup. Non. Arrête. Tu retournes à la surface et tu te la fermes. Donc ça, c'est bon. On va prendre le reste de Pikmin, du coup, et on va aller chercher les Pikmin blancs, du coup. On va sauvegarder. Nickel. Et on est à 19 minutes d'épisode. Et est-ce que on va peut-être avoir, j'ai envie de dire, un petit épisode de 20-30 minutes, là. Moi, j'ai envie de dire, on va miser le 25. Bon, alors, vous. 21. Bon, on a assez pour en avoir 20, mais c'est pas encore assez. Je pense qu'il faudra qu'on refasse encore un épisode où on va en rechercher. Ou de toute façon, je vais les perdre comme des connards, et puis du coup, il va falloir qu'on retourne dans cette zone. Ça va être magique, ça, les gens. De toute façon, les gens, on est d'accord que pour la dette... On est d'accord, les gens, que pour la dette, du coup, il faut juste... Ouais, le but du jeu, c'est de payer la dette, c'est ça? C'est de rembourser la dette. Parce qu'en soi, on est bientôt rendu, hein. On est peut-être rendu à la fin du let's play, les gens. C'est incroyable, hein. Encore pire. You want fun? Wario show you fun. Mama. Mama, 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 wow. Pas nickel. On peut passer ici. Non. C'est bien, il a ma ref. Mais oui, mais j'ai toutes les refs de Mario, moi, les gens. Et on est joueur Mario à la base, les gens. On n'est pas joueur Minecraft, hein. On est joueur Mario. Bon, ça ainsi, on est joueur Minecraft sur PC, effectivement. Mais avant d'être joueur Minecraft, j'étais joueur Mario avant. Donc forcément que j'ai les refs. Forcément, Billy, que j'ai les refs. Bon, on va chercher les blancs et on fonce. On a les jaunes, on a les bleus, on a les blancs, on a les rouges, on a les gros. Maintenant, on a plus qu'à foncer. Pas encore. Moi, je joue à PewDiePie. Incroyable. Hey, congratulations, it's a celebration. Qui s'en souvient de cette musique? Tetra? Tetra? Tetralox? C'est normal ça? C'est bien là pourtant C'est bien là pourtant qui sont les fleurs, on est d'accord?
Parce que là, que dire? C'est... Il y a un petit peu arnaque sur le tas, là. Elles sont là, là. Il y a arnaque sur le tas, là, un petit peu, là, non? C'est con, ça, non? Ouais. C'est con, ouais. Putain, m'a fait peur. bah du coup, je fais quoi? Vu qu'elles n'y sont pas. Bah ouais, je pensais qu'elle repopait instant, moi. Mais tout va bien, les gens. Ah, mais tout va bien. Ah, mais tout va bien, les gens. Oh, est-ce que tout va bien ici, là? Mais oui, tout va bien, les gens. Goem KDD, non, je rigole. Mais tout va bien. Tout va bien. Pourquoi il irait pas bien? Hein? Pourquoi ça irait pas bien? Tout va bien. Putain. On s'est fait arnaquer. On s'est fait avoir comme des bleus. Mais tout va bien. Tout va bien. Putain de merde, ça fait chier, bordel. Oh, bordel. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Voilà. Voilà ce que je dis. On va prendre les rouges. On va niquer des mères. Voilà. Prends tous les rouges, on va liguer du mer. Allez hop, c'est d'abord. Here we go! Here we go! Non, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais y'a tout qui genie! Y'a tout qui est niqué là-dedans! Putain de merde! On peut rien faire dans ce jeu de mort! On peut pas fermer tranquille! Merde! Putain! Oh, il m'en a... Mais non, mais... Ah. J'ai cru que là aussi, c'était mort. Ok, allez-y. Ah. Parfait. En même temps, pour moi, les jeux GameCube, ils sont possédés. Les jeux... C'était les jeux Nintendo 64 de base, what the fuck. Ah bah heureusement que c'est repoussé, ça. Allez, ramassez-moi ça. Allez, hop hop hop. On y va. Ok. Parfait. Allez, on est parti. Donc, je disais qu'on était parti. Bon, ils vont avoir terminé. C'est bon, on a tout le monde. Allez, on les range. J'ai remarqué un truc d'ailleurs, il y a Louis, parfois il nous fait des slides, il nous fait du Michael Jackson parfois, le gars. Dès la musique du menu GameCube, ça m'est mal à l'aise la première fois que j'ai entendu. On peut parfois regarder Louis qui marche au ralenti parfois. Regardez ça. Parfois, il nous fait une dernière animation. C'est très bizarre, en tout cas.
L'aérofrein, qui est le dernier machin de le... qui est le dernier machin qu'on a trouvé. On a plutôt pas mal réussi quand même à remonter les gens, on va pas se le cacher. Maintenant faut qu'on garde le nombre maintenant. J'ai tenté de construire une cabane en haut d'un arbre. C'était comme dans le temps. Les deux souvenirs de ma jeunesse m'aident à mieux supporter la situation. Mais je m'en branle toi, tu me fous dans la merde en fait, le Fred là. Mamma mia, Fred, tu es con. Tu fais chier, Fred. Tu fais chier, tiens. Et on a fini. Let's go. Putain. Ça fait plaisir, les gens. Parce que maintenant, les gens, le prochain épisode, le jour 20, on va retourner à la vallée du repos. Parce qu'il nous manque encore des trésors à récupérer. Il nous manque des trésors. Ça, c'est un recall, ça, Pectory, j'ai reconnu. Enfin bref, messieurs, dames, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 19. Pour ceux qui regardent le rec de YouTube, le rec de Twitch, ne vous inquiétez pas, on va revenir dans quelques instants. Mais nous, en attendant, pour ceux qui regardent la diffusion sur le rec, du coup, sur l'épisode, du coup, eh ben, nous allons nous arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera tout simplement pour l'épisode 20, où nous allons regarder la vallée du repos, où nous allons explorer la vallée du repos un peu plus en détail, parce que je crois qu'il nous manque des choses, justement, à récupérer. Et nous allons voir ça dans le prochain épisode. Comportez-vous bien, blablabla. Comportez-vous bien, les gens. C'était Gamer France qui vous dit allez à sa vista. Salut tout le monde, à tout de suite, Twitch. Bonsoir à toutes et à tous, ici Gamer France, bienvenue dans ce nouveau live les gens, bienvenue à tous dans ce nouveau live, dans ce nouvel épisode même j'ai envie de dire, épisode 20 de Pikmin 2, où nous allons sans plus tarder aller à la vallée du repos parce que nous avons des trésors à aller récupérer et des grottes à aller explorer aussi. En sachant qu'on a fait un petit peu le plein de Pikmin violet, voilà, on n'a pas pu faire le plein de Pikmin blanc parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on nous disait non t'as pas le droit. Bah du coup on va aller là-bas, voilà. Alors du coup, je sais pas comment ça va se passer, mais en fait, les gens, ce que je comprends pas, c'est qu'on a presque tout vérifié, en fait, là-dedans. Enfin, tout vérifié est un grand nom, mais effectivement, on a... Nous avons des choses à explorer, les gens. Déjà, je pense, par ici, il doit y avoir une grotte quelque part ici. On va aller voir. On va aller voir, les gens, hop. On va aller explorer déjà tout seul. On va même faire un truc. Louis, tu vas rester là. Lui, tu vas rester là parce que si on a des Pikmin à récupérer, ça sera plus simple. Voilà. Alors. Donc là, du coup, on avait exploré une nouvelle grotte. Et ouais, c'était ça. Voilà. En fait, on a de la flotte et il va nous falloir les Pikmin bleus. Voilà, pour continuer. Et je crois que nous voyons une espèce de petite grottasse quelque part, je sais pas. Donc écoutez les gens. On va demander à Louis de ramener les Pikmin bleus. Hop. On va en prendre... Allez, 44, pourquoi pas. Voilà, déjà pour le début. Bon, c'était gratuit, ça. Bah, c'était gratuit, ça. Bah, écoutez, les gars, c'était totalement gratuit. Hein. Mais oui, mais du coup, ça va produire une graine, putain. Ah, putain, allez, ramasse-le, lui. Là, c'est bon. Donc c'est par où qu'il faut aller? C'est par là. Ah mais attends, mais je crois qu'il y a un raccourci en plus. Mais incroyable ça, what the fuck. Hop. Donc on va aller là-bas, on va faire attention à pas gêner le monsieur. Attends, quoi? Attends, il y a un trésor qui est par ici là, mais je sais pas où il est. Je crois qu'il est enterré.
Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est enterré quelque part là. Et je crois qu'on va vite le savoir. Je sais pas. Je sais pas où il peut bien être. Je crois qu'il va falloir qu'on creuse, hein, les gens. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on creuse. Bon, on creusera plus tard, les gens. En attendant, on récupère Olimar. Et hop, on va faire ça. Voilà, nickel. Mais attends, du coup... Attends, parce que du coup, il peut être où ? Oh. Ouais, ça pue quelque chose dans la neige, là. Mais à mon avis, il va falloir qu'on règle toutes ces... Il va falloir qu'on dégage la zone. Mais wesh, lui peut me donner des cheats bleus STP, c'est pour la production. T'inquiète, mec. J'espère juste qu'on va pouvoir, du coup, éteindre l'eau. Ok. Alors là. Ah, chouette. Parfait. Bon, bah ça du coup c'est fait. Donc là on va avoir un pont à faire, ok. Oh putain, il y a des connards. Parfait. D'abord, on a un autre connard. Il y en a. Bon, on a que. Va falloir qu'on replie. Hein. Aïe, putain. Ok, parfait. Bon, ils vont ramener ça. Ça on est d'accord, on va pas pouvoir hein. En fait j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on grappe mais il va nous falloir des piques. Ouh putain de merde. Ok bon. Voilà, on va aller chercher d'autres Pikmin bleus les gens. Puis on va aller aussi aller chercher des Pikmin blancs parce qu'à mon avis il doit y avoir un trésor dans les alentours là. Donc on va aller chercher les Pikmin blancs. On va rechercher les chiens nifleurs. Hop. Ah, mes chers petits chiens renifleurs. Venez parmi moi. Venez à moi, mes chiens renifleurs. On part à l'aventure. Hop, par ici. Putain, faut qu'on fasse tout le tour, les gens. OMG. Heureusement qu'ils me suivent. Et là, théoriquement, on est censé avoir un petit truc ici, là. Là, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc ici. Putain, c'est un ananas. C'est un chou. Très bien. Ils ont des terrains chou-fleurs, les cons. Ils ont des terrains chou. Attends, parce que du coup, il y avait un autre truc là aussi. Mais attends, mais c'est peut-être là-bas, hein.
Eh, hey, je suis en train de voir là, mais c'était pas là là. Ah non, pas lui. Oh non, mais non, mais pas lui, mais tout sauf lui, putain. Oh, mais tout sauf lui. Non. Oh non. Allez, genre, j'en ai rien à foutre, je prends les rouges, hein, c'est bon. Mais ça va, c'est que lui. Mais j'en ai rencontré trois ce matin, ils m'ont cassé les couilles. Ça a été les bouffeurs, putain, OMG. Allez, c'est vrai, faut que je réponde aussi à MP aussi. C'est vrai, ça fait un petit moment que je le gosse déjà. Le pauvre Gabi, il va falloir que je réponde aussi au bout d'un moment. Je répondrai à ton mail, mon cher Gabi, ne t'inquiète pas. Mais en plus, le pire, c'est qu'il est planté là, quoi. Non, mais nique sa mère, quoi. Ça s'agirait de se faire foutre. Sérieux. Bon, viens là, toi. Non, mais lui, il a des déplacements. Michael Jackson, mec, c'est incompréhensible. Mec, j'ai une question. Est-ce que tu as mis une whitelist sur le serve parce que tout le monde peut rejoindre le serve? Normal que Herobrine a spawn. Il a encore spawn, lui. Il a encore spawn, lui. Attends, que je regarde vite fait, là. Ah oui, tu parles du screen de Somo. T'inquiète, le Herobrine, il est banipé. T'inquiète, le Herobrine est banipé sur le serveur. Mais de toute façon, on a essayé de mettre la whitelist, mais ça marche pas, en fait. La whitelist, ça marche pas, c'est un gigaflop. C'est ça, le problème. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ceux qui rejoignent avec un pseudo différent, de toute façon, de ce qu'ils m'ont mis dans whitelist, de toute façon, ils sont banidés. Donc, bon, ils peuvent rejoindre. Hein. Ils peuvent rejoindre, ils vont durer 5 secondes sur le serveur. Bon, bah on a plus qu'à refaire tout le chemin, les gens. Mais dis donc, les gens, il est increvable, cet oiseau. Allez, hop, mange tes morts, toi. Il est increvable, cet oiseau. N'est-il pas increvable, cet oiseau, Billy? C'est con que ça fonctionne pas, en plus, c'est un serve payant, c'est bien con, ça. Ouais, mais je suis au courant, mec, Je sais pas pourquoi, ça m'a... En fait, si tu veux, je sais pas. Peut-être parce qu'on a des versions crack et tout ça, mais bon... Si j'ai mis les cracks, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai des potes. Oh, mec, attends, mais... Ça, j'irai d'aller se faire foutre, mon salaud. Putain, on a de la chance, hein. Et on a eu de la chance, hein, j'ai envie de dire, oh là là. Ok, bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre des jaunes, on va prendre des bleus et on va... J'ai jeté le bleu, très bien. Ok, donc là, je veux un jaune. Allez, tu vas y arriver, mon salaud. Voilà. Ok, nickel. Et là, on va mettre les rouges. Parfait. Voilà. Et les gens, on atteint 500 Pikmin ce soir, incroyable. Ah non, même pas. Attendez, les gens, attendez, je vais attendre 500 Pikmin, moi.
Et 500 Pikmin! Let's go! 500 Pikmin, les gens, c'est impeccable. Ok. Est-ce qu'on a le temps, là, pour aller voir la suite? Non, je pense pas qu'on aura le temps pour aller voir la suite, les gens. Donc, hélas. Hélas. Ça sera pour le prochain épisode, les gens. Parce que, clairement, on n'aura pas le temps, les gens. Le temps qu'on range les rouges et tout ça et qu'on refasse le tour. Ça sera fini, les gens. Le jour sera fini, donc, hélas. Nous allons devoir tout ranger. Et on reverra, ça la prochaine fois. Voilà les gens. Et c'est un épisode qui fait 13 minutes les gens. Tout va bien. Voilà. C'est un épisode qui fait 13 minutes. De toute façon, les gens, on n'avait pas le temps pour la suite. Donc écoutez. Mieux vaut ça. Mieux vaut ça les gens. Comme ça on a perdu aucun Pikmin. Et ça c'est très très bien. De toute façon les gens, de Pikmin 1 et 2, ce qu'on aura retenu c'est que ça en fait. C'est que... on gagne des Pikmin, prise de confiance, et là t'as le jeu qui vient te redonner une claque pour te refaire chuter en enfer, c'est un truc de ouf ça. Mais du coup j'avoue, parce que du coup on a peu eu de trésor avec le piaf là du coup. On a peu eu de trésor avec le piaf, on est d'accord? Nous avons presque remboursé toute la... Nous avons presque remboursé toute la dette. Si des imbéciles peuvent collecter un tas de trésors, moi, je trouverais bien plus. Et si je partais en expédition? Non, toi, tu vas rester là. Non, il la donne pas, celui-ci. Oh, putain, dommage. Attends, donc ça veut dire qu'il y a un trésor dans la zone encore. Parce que du coup, le détecteur, il avait bipé vers le... Vers le piaf, là, justement. Ouais. Très bizarre, très bizarre. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier épisode, les gens? En vrai, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Donc, écoutez, les gens, on va tourner un dernier épisode sur Twitch, les gens. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 20, du coup. On se retrouvera, du coup, messieurs, dames, pour l'épisode 21. On va essayer d'explorer, finalement, la vallée du repos. Parce que, pour l'instant, on a débloqué. Mais on n'a pas exploré. Donc, effectivement, il va falloir qu'on fasse ça. Donc, les gens, on va voir ça pour le prochain épisode. A tout de suite, Twitch. Et à la Savista, salut tout le monde pour YouTube. Bonsoir les gens, attendez, je regarde juste un truc au niveau des recs. Ok, ils sont là. Ils sont là. Est-ce que par hasard, attends, est-ce que OBS, ça y fait trop gros si on y demande par exemple de convertir ça et ça là, vite fait là. Attends. Non, attends, ne l'ouvre pas. Hop. Est-ce que ça fera trop gros pour OBS si on y demande de convertir ça? Oh putain, il est en train de le faire. Eh ben écoutez les gens, impeccable. Eh hey. On vient de révolutionner le marché les gens. On vient de révolutionner le marché, on est en train de faire la conversion. Bah écoutez les messieurs dames, bienvenue dans cet épisode 21 de Pikmin. Du coup, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour la vallée du repos, où nous avons des choses à faire les gens. Donc écoutez, tout va bien. Salut, c'est la fin du stream? Non, pas du tout mon cher ami. On arrive à la fin, oui, mais c'est pas encore la fin. On a encore un épisode à tourner mec. Donc, comment il va le Somo là? Comment il va le Somo ce soir là? Comment vas-tu là? As-tu bien avancé sur, sur ta base là, sur Sky Survivor là? Sur Sky Survivor? Super, et toi? Bah ça va très bien, écoute mon cher ami. Hop! On est là messieurs dames pour tout simplement la suite du coup. On est là pour tout simplement la suite de Pikmin du coup. Là on galérait à mort mais... Tout va bien. Alors du coup, on avait des choses à récupérer, les gens. On avait des choses à vérifier, les gens. Parce qu'on avait le détecteur qui bipait à mort, là où on a buté le piaf. Donc on va aller voir ça. Hein.
Un peu, et bah écoute, nickel ça du coup. Voilà. Il sonnait par là. Est-ce que par hasard on n'avait pas besoin des blancs là par hasard? On va aller chercher les blancs. Les blancs sont doués pour trouver des trésors cachés. Bah des trésors invisibles même, parce que bon, caché est un grand mot. Voilà. Faites place aux experts, les gens. Faites place aux experts, et l'enregistrement a été converti. Impeccable. Hop là, la suite. Donc on va prendre les blancs avec nous. Les blancs, c'est des experts en chien renifleur. Donc on va voir s'ils arrivent à renifler les trésors. Les trésors. Les trésors de Kellogg's. Allez. On est parti du coup pour la fuite. Voilà, avec nos fameux Pikmin Bling, du coup. Alors, mes petits chiens renifleurs, est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose? Eh voilà, bingo! Je savais bien qu'il y avait un truc de caché ici. Putain, c'est une bague? C'est une bague? Ok, parfait! Attends, parce que je crois qu'il reste encore... Ok, parfait. Voilà. Donc lui, il va aller avec les autres Pikmin blancs et on va aller l'arranger. Mais Théma, ce mec, il va faire 99 980 de Pikmin 2. Mais oui, mais mec, en vrai, j'ai hâte d'être sur Pikmin 3 et 4, là. Bah, de toute façon, les gens, Pikmin 4, c'est semaine prochaine, hein. 90% de la dette, let's go. En plus, on a bientôt terminé, là, le Pikmin 2, est-ce que j'ai compris. Donc ça fait plaisir. On va bientôt pouvoir commencer le 3, les gens. Même si le 4 va être bientôt là, mais de toute façon, mais t'inquiète, on sera dans les temps. Tout va bien. Vous inquiétez pas, les gens, tout va bien se passer. Bon, alors nous, on a des bleus. Ici. Par là. On a un culbotoqué, là, qui est là-bas, là. Regardez, il est là, le petit con, là. Je crois qu'on ne le voit pas, ce petit con, hein. Oh, putain, l'esquive. Quoi? Oh, what? Putain, il nous a fait un truc, là, mon gars. Oh, non, mais quoi? Attends, mais c'est des boules à tête chercheuse, en fait, qu'il a, lui. Oh! Oh, fuck! Ah! Ok. On se calme. Non, on se calme. Paniquez pas. Oula, on a du feu là. C'est la merde. Merde, y'en a un qui est mort. Allez. Ok, c'est bon. Wouh. Ouais, les invaincus. Je te rassure, t'as encore un peu de temps pour Pikmin 2. Ah. You, mon... Oh. On l'a entendu, mec, on l'a entendu. Bon, du coup, les pyro-barbares, ils ont été niqués, on va pas se le cacher. Donc on va faire ça, et puis on va les transporter tout ce merdier, là, du coup. De toute façon, on a encore des mobs à buter. Donc on va faire un truc, les gens, on va buter tous les mobs et après on va les ramener. Voilà, au moins ça c'est fait. Donc, on a un dernier mob qui est là-bas, là. Et je crois que c'est pas le seul, hein. Oh putain, on s'aventure dans un truc, mon gars, là. Je sais pas où on s'aventure, hein. Chargez ! Parfait. La suite, là-bas. Oh, un Puffy.
Oh, on a un pont ici. Attendez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez-y. Ouais, bizarrement, j'ai pas entendu, moi. Ah, c'est bizarre, mec. C'est bizarre. Parce que pourtant, t'as eu le machin. Hein. Oh, c'est sympa, ça. Oula, il est pas beau, lui. Il est pas beau, lui. Ouais, là, on l'a entendu, mec. De toute façon, les gens, le truc qui apparaît en bas à gauche, justement, c'est justement les soundboards, donc les sounds d'alerte. Bah, les sons, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les sounds d'alerte. Ah, mon dieu de merde. Ok, nickel. Ok, parfait. Wouh! Ah, mais là, il y a une couronne! Attends. Montez. 30 Pikmin, oh putain, il est pas donné. Hein. Ok, parfait. Non, revenez! Bon, d'accord, ils sont morts. Donc là, on a une grotte ici. Ah, mais là-bas aussi, on doit avoir une grotte. Attends. Ouais, là-bas, on a aussi une grotte. C'est bon, on a trouvé les grottes. Ok, parfait. Je crois qu'il y a Louis à la base. Donc lui, il va faire un truc. Il va aller prendre les blancs. Et puis lui, on va faire échange, Louis et moi. Hop, lui, il va y aller avec les blancs. Parce qu'on a un truc à faire avec les blancs. Hop, nickel. Donc lui, il va prendre les blancs et puis il va tout simplement nous rejoindre. Oh putain, la fonction aller ici me manque tellement là sur ce jeu-là. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux me donner... Oula, attends. Est-ce que tu peux me redonner le nom de ton ressource pack que tu utilises pour jouer en survie Minecraft? Java, c'est Stormia, mec. Stormia. S-T-O-R-M, bah Storm. Et Mia, après. Storm IA. Tout simplement. Ok, parfait. Donc eux, ils arrivent petit à petit. Oh putain, la couronne. Non, mais t'es mal à la taille de la couronne, frère. Bon, je crois qu'on a perdu un Pikmin, hein. Bon, enfin bref, on verra si on a perdu un Pikmin en route. De toute façon, nous, il va falloir qu'on grimpe. Voilà, il va falloir qu'on grimpe là-bas. Parce que Vanilla Twitch, ça bug. Ouais, bah à mon avis, il doit pas être à jour, Vanilla Twitch. Hein. Allez, on y va. Bon, vous me faites chier. Voilà, hein, vous y allez. Merde. là, est-ce qu'on a un palais de 1 là-dedans? Non, on n'a pas de palais de 1. Et bah écoutez, les gens, notre prochain truc... Notre prochain coup est d'aller tout simplement et de retourner à la maison, hein, tout simplement. Ok, parfait. Hop. Voilà. Et bah lui, en fait, bah tout simplement, tu es allé déjà marquer la grotte. Tu allais déjà marquer la grotte qui est là-bas. Et après, tu iras marquer la grotte de poisson, comme ça on aura tout trouvé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci, mec. Alors, une autre grotte. L'exploration des étendues lointaines s'est avérée très enrichissante. Vous devez être fatigué de marcher. Mais c'est bientôt fini. Emparez-vous de ces trésors.
Allez, vas-y, on y va, sans Pikmin, let's go! Ah, on a trouvé la couronne de Technoblade, du coup. Bah non, même si c'est la couronne de la princesse, mais moi, je préfère mieux dire que c'est la couronne de Technoblade. Parce qu'il mérite, ce gars. Il mérite cette légende. Merveille ineffable. La couronne de tête, la couronne du god, quoi. Alors, du coup... attends, parce que du coup, lui, il faut quoi, du coup, lui? Eh ben, il faut tout, les gens, bah, tout va bien. Donc lui, il faut tout, très bien. Et la grotte qui est là-bas, du coup, vous en êtes où? Ah bah putain, vous avez pas fini. Vous avez pas fini, puis on a pas assez. Bon bah écoutez, on va prendre le reste, et puis on va aller chercher les autres créatures, les autres créatures mortes, hein, écoutez, on va aller chercher les autres cadavres. Bah, en tout cas, je pense que les Pikmin bleus, il y a pas mal, hein. Tu peux les boost pour qu'ils calent plus vite. Ah bah oui, je peux les boost avec les machins, attends. Avec le spray, c'est ça? Voilà. On va voir du coup si ça marche. Ok, voilà, nickel. La suite. Ouais, effectivement, ça a été un peu plus vite. Donc là, du coup... Ok, parfait. Là-bas, 3 fois plus vite. Et ici. Voilà, nickel. Bah du coup, mon cher Louis, vu que tu as terminé, tu vas me reprendre tout ça. Et je crois qu'il y a des... Il y a encore des mobs, je crois, encore à récupérer là par là. Non, je crois qu'on avait tout pris ici. J'ai rien dit. Il en manque un ici. Puis de toute façon, avec eux, ça va aller très vite. Vous faites quoi, les gars? Attends, mais ça va où, en fait, ça? Ah, ça se ramène là. Ok, pas de soucis, les gars, pas de soucis. Allez-y. Attends. Par là. Par là, il y a un truc. Ah mais oui, là! Ah mais oui, mais du coup, il va nous falloir les jaunes! Est-ce qu'on va avoir le temps? Non, on n'aura pas le temps, mais hélas, pour cet épisode, les gens. Ah, dommage. Bah attends, hop, Louis, tu vas... Hop, tu vas reprendre ça. Hop, parce que j'ai vu qu'il y a un bleu qui s'est égaré par là, donc on va éviter d'en perdre un, les gens. Instant limite. Ok, parfait. Donc là, attends, on va faire un truc. Toi, Louis, tu vas retourner à la base, tout de suite, maintenant. Oh les gens, le nombre de Pikmin bleus qu'on va avoir, les gens, on va avoir une armée, hein. On va avoir une armée de bleus, on va rien comprendre, hein. Ok, nickel. Ok, 10 secondes. 10 secondes, on est à la base ici, hop, parfait, hop. On va ici, on va essayer de faire en sorte que le convoi se passe très très bien. Le convoi de la dernière ligne droite. Ok, allez-y. Hop, ils sont rentrés, parfait. Aidez-les. Eh les gars! Hop, nickel. Ok, parfait. Oh, le soutien des blancs qui fait plaisir. Hein. Le soutien des blancs qui fait plaisir, hein, putain. Wouh! Incroyable. Eh ben écoutez, les gens, on a découvert toutes les grottes. Il nous reste encore un trésor, je crois, à récupérer dans cette zone. Donc écoutez, les gens, moi j'ai envie de dire, let's go. Ouais, le soutien aussi des noirs qui fait plaisir, en tout cas. Ça fait plaisir. Rapport du jour. La menace rose et la merveille ineffable. On a 194 bleus, les gens, on est pas mal. Écoutez, les gens, j'ai l'impression que... on va bientôt arriver à la fin des Pikmin, hein.
On va bientôt arriver à la fin de Pikmin, on a le temps. On a le temps, mais ça va faire plaisir. Hein. Enfin, bientôt, je n'aurai plus... Attends, lui, c'est italien, lui. C'est le fret, c'est fret, mamma mia. Mamma mia, enfin, bientôt, je n'aurai plus aucune raison d'être en cavale. C'est drôle, mais je crois que ça va me manquer. Je suis fier d'avoir survécu à toutes ces rudes épreuves. Mamma mia, Marcello, what the fuck. Oh là là. Je me fais dead ban, putain. Oula, ouais. Je viens de voir la phrase au-dessus, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu la phrase au-dessus, ouais, effectivement. Ah merde, du coup, ouais, on a pas découvert l'autre grotte, mais on sait où aller. On sait où aller, donc... écoutez, les gens, pour le prochain épisode, j'ai envie de dire, les gens. Pour le prochain épisode, on fera ça, les gens, donc écoutez. Merci à vous d'avoir regardé, hein. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode, les gens, ça fait plaisir en tout cas de voir ça, les gens. Merci à vous d'avoir suivi aussi sur Twitch, voilà, ça fait plaisir. On se retrouvera demain soir, messieurs, dames, pour l'ouverture de Mario Kart Ice Road, les gens. L'ouverture de Mario Kart Ice Road, enfin, les gens, je suis très impatient. Il faut que je prépare le serveur aussi ce soir, les gens. Donc écoutez, ça va être parfait. Ça va être parfait, les gens. Voilà, mais en tout cas, ouais, ça va faire plaisir, les gens, ça va faire plaisir un petit peu de Mario Kart East Road. Ça fait 2 ans, les gens, qu'on travaille sur cette putain de map, hein. Ça fait 2 ans, Tetralux et Pectory peuvent le dire, hein. Ça fait 2 putains d'années qu'on travaille dessus, hein. Enfin, presque 2 ans, mais quand même, bordel. Eh ben, si le 27 millions, attends, le 274 284 628 épisode de Pikmin, les gens, incroyable. Incroyable. Mais ouais, les gens, ça fait plaisir, écoutez, les gens, rendez-vous demain, du coup, à 20h30 pour l'ouverture de Mario Kart Ice Road, du coup, bah, pour l'inauguration de Mario Kart Ice Road, parce que c'est pas un événement, là, c'est une map, en fait, qu'on va vous proposer sur Planète Minecraft, et ça fait plaisir, les gens, ça fait plaisir, écoutez, les gens. Au grand plaisir de vous avoir parmi nous, au grand plaisir de vous avoir eu parmi nous, voilà, merci à tous ceux qui sont venus ce soir, merci à tous ceux qui se sont followés récemment, merci à tous ceux qui me soutiennent durant ce let's play Pikmin, et on se retrouvera mercredi pour la suite de Pikmin. Comportez-vous bien, on se retrouvera mardi prochain pour la suite de Pikmin. Voilà, ah bah attendez les gens, attendez que je regarde un truc même. Oui, on se retrouvera mardi prochain pour la suite de Pikmin, les gens, c'est bien ce que je disais, voilà. On se retrouvera mardi soir prochain pour la suite de Pikmin, les gens. Et potentiellement, après les autres jours, je verrai comment ça se passe, mais on arrive bientôt à la fin, les gens. On arrive bientôt à la fin, et bah, va y avoir aussi Pikmin 4 qui risque de chevaucher Pikmin 2, je pense, le temps qu'on termine les grottes et tout ça. Ouais, à mon avis, il va y avoir d'autres lives qui vont pop. D'ailleurs, peut-être un demain matin. Peut-être potentiellement que demain matin il va y avoir un autre live sur Pikmin 2, les gens. À voir les gens. On verra bien. Mais en tout cas, les gens, au grand plaisir de vous avoir eu ce soir. Et on se retrouvera pour le prochain live. Comportez-vous bien, c'était Dégumar France qui vous dit. À la vista, salut tout le monde.